mesdames et messieurs, je me présente, c'est Stevie Ilanga. J'habite première Ifuna, avenue Marin numéro 20. Parce que ces derniers temps, tu dois préciser les noms de ton avenir. Oui, pour que les gens prennent son nom sur ton état d'âme. Sérieux, vous avez remarqué, mesdames et messieurs, que la France a des noms incroyables des avenues. C'est tri de la ferme Saint-Germain-au-Lait. Ça sent la fraise. Mais la RDC comporte des noms des avenues qui sont le parti génital. Avenue Sokopao, le soleil de Montolo. Avenue Ibongo, Mayasukai. Avenue Sola. Et je ne te laisse pas deviner l'état des maisons. Hein. Mon frère, je pense que la personne qui a dit « Dis-moi que tu fréquentes, je te dirai qui tu es, oublié la suite. Dis-moi tu habites sur quelle avenue, je te dirai si tu es riche ou pauvre. Tu habites sur l'avenue Mandela. Cool, chill. Même si ça sent l'esclavagisme et l'apartheid, c'est bon. L'avenue Mumba, pépère. Même si ça sent l'indépendance et la Belgique voulait balkaniser. Mon frère, tu vis sur l'avenue Bogota. Tu es sûr que tu es de cette époque où toi tu n'as pas vu la résurrection de Jésus-Christ. Sérieux, heureusement les filles ont compris le jeu. Quand elles se font draguer, si une question déjà, ma belle, tu vis sur quelle avenue? Moi j'habite l'avenue J-Citron en Bourguer Serré. Moi j'habite l'avenue Raphaël Varane à la Madrid. Il y a même une qui m'a dit, moi j'habite l'avenue Joseph Kabila, président à vie. Tu comprends quel genre de fille je suis, hein, Stevie? Monsieur Lambert Mendy, je précise, c'est un sketch. Et plus loin, tu verras que les noms des avenues influent aussi sur les églises. Cinquième rue résidentielle, avenue du ciel, le bistrot des miracles chez nous, le pasteur vient de la France, alléluia. Du quartier 11, avenue qui se loquait l'église, vous vous trouvez la queue que vous quittez. Église du Loba, avenue du Kamanzala, bisolia à mes unités. Franchement, et là encore, tu verras que la qualité de l'avenue dépend aussi de la qualité de la commune, mon frère. Avenue du commerce, commune de la Gombe, chill. Avenue Montepé, la commune de Matete. Quartier Kimpoko, avenue Ngabidjo, commune de Maluku. Pas plus tard qu'hier, je parlais avec un ami qui vit à Londres. Il m'a dit, Stevie, j'ai déménagé depuis une semaine, maintenant j'habite à Southampton. Bon, c'est difficile les mots. Sur l'avenue, Elisabeth Kousmes, numéro 3. J'étais un peu jaloux. Je lui ai dit, t'inquiète pas, moi aussi je vais déménager dans une semaine. J'habiterai l'avenue sous Patterson sur Noël Kamamaka, avec dossier numéro 26. Imagine si les noms des avenues portaient les noms des musiciens actuels. Je ne dis pas les musiciens décédés. Je suis sûr qu'un bon nombre de gens choisiront d'habiter la ville Fali Poupa du Capri de la Merveille, Turcos. Et le fils sûrement choisiront d'habiter la ville Kajou, Zézé, j'ai dit non. Et quelques PD aussi. Hein. Non, je n'ai pas dit que j'étais gay. Pareil pour nous les humoristes. Qui préférera habiter la ville Gadia de Ouessobé qui est d'habiter la ville Rancière Koukéluki la numéro 1? C'est tout pour moi, je m'appelle Stevie Ilanga. Pa 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 pa.